Il est midi. Chaque passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au côté Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte votre Bobo, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 29 octobre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le deuxième sortie journal à Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous allons développer dans le journal ça. Déclaration ambassadeur Denis Hankins a confirmé, qui confirmé qu'il y a contact entre ambassade américaine en Haïti. Un chef gang yo continue à soulever en pile réaction. Ancien premier ministre haïtien Evans Paul dénonce un dérapage qui grave en pile et qui affecte d'après lui-même image États-Unis. Ben, c'était un aveu qui fait avec, qui en contradiction totale avec éthique et puis image qui États-Unis doit projeter d'après Evans Paul. Ambassade américaine dénonce une photo capsiquée sur réseau social concernant une éventuelle rencontre entre ambassadeur Denis Hankins et puis chef gang Jimmy Cherizier alias Barbecue. Ambassadeur Hankins n'a pas jamais rencontré Jimmy Cherizier ni aucun autre membre gang haïtien d'après ambassade là dans un message sur compte X. Une enquête au CNH menée beaucoup de questions la police là bail comme résultat matériel yo bail PNH pas suffit et puis yo pas répondre avec gros opération PNH ta dominé dans lutte contre nèg examyo organisation citoyen pour nouvelle Haïti condamné dernier attaque coalition gang ensemble dans fait dans Solino avec Delma 24 pendant le dénoncer tout ben inaction l'État devant remonter les actes d'insécurité qui la cause en pile violation droit monde. Gagné ancien sénateur Yuri La Tortue qui voulait jeter bien loin un rapport comité expert Nations Unies déposé devant Conseil Sécurité à 29 septembre passé à côté l'y dénoncer Conseil Sécurité et comité expert dénoncer le fait que La Tortue a circulé en toute impunité en Haïti alors que il y a un mandat d'arrêt pour assassinat ancien élu La Tibonite qui a demandé comité expert pour corriger déclaration Libaye dans le rapport Silla. Gagnons en séance en formation 3 jours qui commençait à lundi dans l'hôtel Kinab pour brigadier dans la sécurité publique, sous sécurité publique et environnement scolaire. Une initiative dans la tête collée avec ministère justice et sécurité publique et ministère éducation nationale et formation professionnelle. Gagnons un accord qui signe en 3 parties hier lundi. Gouvernement haïtien, syndicat secteur textilio et puis association industrie d'Haïti qui fait sur renouvellement loi hop là à travers document ça 3 parties entendu pour gain réforme beaucoup des institutions sécurité sociale yo tankou ona au fatman dans l'idée pour capable pour dans l'idée pour ouvrier capable bénéficier tout avantage d'après responsable syndical là Jean Bonal Fatal. Haïti pral passer dans le hiver weekend ça à partir dimanche 3 novembre l'heure pral faire bac de 60 minutes les 3h du matin en réalité n'a gagné 2 heures non. C'est pour ça que divers sortes de vin développé Red Bull Chenapton. Pour présenter au journal Sagé à Réunion des Irs, Captain Monnaie Technique, Pénémico, c'est Léon Kerr Civil. Bonsoir, Harry, bonsoir tout le monde. Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier parti journal. Gagnons une enquête au CNH mené bon côté et la police qui montre que matériel PNH la gagne yo pas suffit et puis yo pas répondre avec gros opération PNH ta dou mené dans lutter contre gang examen capable multiplier attaque contre population surtout dans zone métropolitaine Port-au-Prince dans la Tibonite. Organisation citoyen pour nouvelle Haïti condamné dernier attaque coalition gang yo ensemble nan fait dans Solino et puis dans Delma 24 dans Kaye pendant dénoncer tout inaction l'État par rapport avec Zach violence qui passe suspend et qui provoque en pile violation droit monde. Camille Oxyus, c'est coordonnateur au CNH qui était dans le micro. Rejoins-tu Jean-Michel? C'est une note au CNH d'ailleurs, justement pour être capable de dénoncer et de condamner Zach Bouzanda et violence qui a fait sur mon Solino et sur mon nom. Et au de la carrière, pour mon quoi des bouquets, maintenant, moment, c'est mon Solino qui sont victimes de
active l'armée au souffert, côté ouvert de l'ancien mio, il fait mon coup, il quitte Kayo, et nous-mêmes, au niveau CNH, nous dénoncer ça, c'est avec un pile tristesse, côté nous avons constaté qu'il y a des gens qui a tout, qui dans la rue, depuis 17, qui dans la rue, depuis 20, qui ont paré côté pour dormir, et au cas de mon ministère, la marqué dans le visage, souffrance la marqué dans le visage, et nous dit, comme organisation qui a défendu le monde, il est important pour que nous dénoncer, et puis condamner et ça passe là. Maintenant, on parle de situation qui a caillé et même dans notre temps, nous relevons que il y a des matériels dans la police qui n'est pas adapté. Donc, selon même qui ça qui t'a doué fait. Et normalement, et l'armée a renforcé chaque jour en zone et la police n'a jamais arrivé à faire une opération qui réussit à 100%. Mais même, nous avons diligenté une enquête de côté agent policier pour regarder qui ça qui cause ça. Eh bien, suivant ça, nous avons comme information, eh bien, matériel gouvernement tabay PNH là, c'est du matériel qui n'est pas adapté. Et non seulement il n'est pas adapté, il est insuffisant. C'est ça qu'il faut parler. Ouais. Lorsque Solino lui-même, civil armé, Solino lui renforcé, il déclare la guerre à la police, ou capable de la carrière encore, il déclare la guerre. C'est-à-dire, c'est des civils armés qui étaient déjà dans une série de zones, mais dans le moment, ils ont vu montrer force, ils ont vu renforcer l'énergie, et bien la police est incapable. Tout incapable, la police est incapable, là, c'est parce que matériel gouvernement, soi-disant, dit, au pays, à PNH, à tout travail là, qui vend ça au Sénat comme information sous base d'une enquête nous fait, majorité de matériel, ça y est, pas répondre à l'homme. Majorité de matériel ça yo yo pas répondre à réalité ya et c'est ça qu'on parle ouais il y a des policiers effectivement qui t'a armé travail il y a des responsables au niveau PNH ta, effectivement qui t'a armé planifier et mener des opérations mais la police paraît est incapable la police n'a rien moyen nécessaire vraiment pour couper civil armé yo parce que matériel yo qui dans mieux hein pas répondre à réalité à confronter. En termes de recommandation, c'est mandé à gouvernement en place là pour doter PNH là de matériel suffisant et matériel tout qui répond à normio pour permettre aux policiers d'avoir les moyens nécessaires pour être capable de couper civil armé. Et couper civil armé, c'est travail pour créer conditions pour qu'il y ait sécurité. C'est l'État qui a responsabilité dans pas les moyens à PNH là et pour PNH capable de travailler pour garantir la sécurité de chaque monde. Au côté de déclaration Camille Oxius dans au CNH responsable espace mobilisation nationale la marque 3 maison nous avait exprimé goke sotelien par rapport avec augmentation zak bandio dans diverses zones dans pays surtout dans Solino il dénonçait irresponsabilité incompétence ak mensonge pour le ministre Gary Koné côté accusé chef gouvernement transition comme monde qui c'est marionnette communauté internationale là surtout États-Unis marque 3 maison avec Michel Xavier Gary Koné, il répète chaque jour les mêmes discours. C'est toujours le même refrain. La preuve, il y a caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. C'est bluff, c'est mensonge, c'est démagogie. Ça tellement clair. Tu as une possibilité pour nous aller en Amérique latine ou en Amérique du Sud. Puisque tu as un pays dans la même région, tu dis que tu es prêt pour nous coûter. Mais si l'on prend, et par exemple, Salvador, qui a une spécialité en termes de combat contre les gangs, de nous, ça a fait déjà. Il te dit, pas nous coûte, mais, il y a un hélicoptère, il y a un avion, il t'a venu de nous là. Mais, pas oublier, patron Gary Koné, qui mettait là. Il a dit non. Il était allé jouer en Afrique de l'Est. Il a pris des policiers dans un pays qui est considéré comme l'arrière-cour des États-Unis. Un pays qu'on est qu'en tout cas utilisé pour accomplir mission. Il était toujours souhaité accomplir en Haïti. Par exemple, accompagner gang et faire gang prendre territoire, pas faire un bagage sérieux en bataille là, faire mascarade. C'est ça qui fait aller Kenya. Donc, c'est une manière, moi, pour me dire que Kenya pas une faire rien là, Gary Koné pas une faire rien là. Et sinon, c'est seulement faire en sorte pour gang un pays pour gagner pied à l'aise, faire en sorte pour mettre le peuple haïtien à genoux. Pas oublier que c'est depuis que les gars sont connus là, gagner prend Gantier, il prend Gressier, il prend Agaé, il prend Tracaé, il a fait Chelbe, l'Antabar, il a fait Chelbe, l'Ancafoufeuille, il a fait Chelbe, l'Ansolino.
Ouais, rien pas fait de la part du gouvernement, ça rien, absolument rien. Et pas oublier l'on prend Solino, son zone stratégique. Depuis qu'on prend Solino, il prend Lalu, il prend Rodelma. Depuis qu'on prend Solino, il prend Christoire, il prend Nazon. Depuis qu'on prend Solino, il prend Boudon. D'ailleurs, c'est pas sans raison qu'il faut enrager pour prendre et Solido. Ouais, jusqu'à présent, par un série fait, il y a un niveau de toi, un chat, un dégrin, un chat, avec des grains de la police, il fait une aide au tir en l'air. Qu'on font leur à l'école et ils vont dire avancer. Donc on va comprendre ça, c'est un complot. J'en ai toujours dit là, son bataille qui n'est pas d'accord sérieusement menée sans hélicoptère, sans couverture aérienne, sans assistance aérienne. Mais pas oublier dernièrement là, Gary Conin t'a fait promenade et Gary Conin t'a fait balade l'aller. L'el dérive Dubaï, ils a parlé. On va tourner ça de dos. Monsieur Dou l'a parlé, l'a des armes, l'a des casques, l'a des gilets, l'a des machines. Mais pas en parlant d'hélicoptère d'avion qui est obligatoire. Pour te cas, au moins fait gang font tibac. Non, parce que mettre les parler. Donc, on pensait que Gary Conin est très dangereux pour pays, hein. Il sait qu'il est venu pour complexifier la situation. Ouais, dit comme ça. La preuve est bien grande. Gardez, finalement, le vin avec un discours. Il dit qu'il a fait complot pour assassiner. Tellement qu'on est l'irresponsable. Son discours qu'à comprendre sous deux angles. Premier angle, monsieur dit qu'il y a des mercenaires pour lui. Fait où il, premier sens sa gain, c'est force circonscrit long angle de diversion. C'est vle la détourner attention monde, c'est comme si, et dit qu'avancer monde pour aller prendre pitié de vous seul. Bon, attendez, l'on paye côté tout le monde, professeur, étudiant, docteur, avocat, journaliste, mendiant, élève, écolier, tout le monde a couru en bas massacre, y a couru en bas cartouche, vagabond délinquant. Comment t'as fait comprendre pour là, ou son membre de la société, pour danger sa route ou pas la pendier sous tête. C'est le discours de l'irresponsable. Voilà, t'as pour déclaration Marc-Antoine Maisonneuve, déclaration ambassadeur de Nian Kentio qui est confirmé qu'on a contact entre ambassade américaine en Haïti avec un chef gang qui continue à soulever réaction. Ancien premier ministre haïtien Evans Paul dénonçait un dérapage qui grave et qui affectait d'après lui-même image États-Unis a vu ça en contradiction totale avec éthique et puis image que États-Unis droit doué projeter d'après Evans Paul qui est avec Marie-Lucie Bonhomme. Ambassadeur, nous avons parole de trop tôt, parce que s'il pas dit parole ça, nous sommes capables pas de gagner, pas parler de ça. Je dis, parce que même s'ils sont ambassadeurs américains, ils sont monde, ils ont faiblesse du tout. Moi, je pense qu'ils font écart de langage. Même si c'est vrai, pas tout le bagage outil. Vous comprenez? Vous avez fait la vérité à sortir comme ça? On peut ça. Oui, vérité à sortir comme ça. Vous pensez que son héros, vous pensez que son dérapage, parce que le bagage ça pas bon, ou image ambassadeur lui-même, qui sont ambassadeurs expérimentés, il pas bon tout pour image États-Unis, qui comprennent le monde, pas sanctions parce que y a une collision à gang et puis que les États-Unis avouent par représentant officiel que lui-même il y a un contact privilégié avec gang, son bagage extrêmement grave. Mais même son révélation tout, son bonne chose que population qu'on est, ça qu'a fait au niveau de l'ambassade là, que dirigeant qu'on est et puis il prend forme tête. Ça dépend. Alors, bon bah, pour nous comprendre, non. Dans grande puissance, yo. Yo toujours qu'on fenêtre ouverte. Même les gon moun qui est ennemi, yo, yo pas jamais fermé porte la net. Vous comprenez? Ça veut dire, pour raison pa yo, pour sécurité pa yo, pour intérêt pa yo, stratégiquement, yo capable toujours gain contact avec gang, avec n'importe qui moun, même gens, même n'importe du Duvalier. Yo gen contact à moun ki nan opposition parce que li fait partie tout de mission diplomatique là, mais l'aide des groupes moun internationalement Nations Unies yo même yo prend des sanctions pour compte yo dit c'est des criminels notoires yo c'est la problème nan mangomé hein? C'est une contradiction totale entre l'image dans l'éthique que un pays comme les États-Unis doit projeter et puis réalité sans ambassadeur a dit moi pense que son dérapage tout jour viril li dérapage parce que on ba consacre sorti dans bouche ambassadeur a fait foire dans le dos li déjà ton dérapage puis là nous pas au courant comment on va chercher de individus extrêmement dangereux de gros criminels ou elle est comme ça ou elle est terroriste ou tout paquet comme sous tête et puis
ou ka joine moun sa yo pour mande information lorsque gon problème sou territoire là on rele le comme ça même songe barbecue te font live côté l'état dit que jour l'état non réunion dans ambassade là et puis la passé gon un policier qui juste fait un check et puis là il descend vite là et policier a glacé mais on était capable dire est-ce que femme quoi moun sa yo lè ap di débat comme ça est-ce que c'est à déblatérer y a déblatérer mais je dis à la femme quoi ou bien pas quoi ça barbecue te dit bon on pas connait si nous ka quoi si nous ka pas quoi mais comme gen bail ça gen dérapage ça qui passé il vient pour te crédit en quelque sorte à sa barbecue te dit mais maintenant on va aller au-delà de tout ça gen pays ambassadeur pas faire ça non gen pays il pas faire ça pour pas en contact avec gang yo gen pays tout pas capable à recevoir gang même si gang nan ta la caille yo ka vinn prendre cette histoire de recevoir gang de bail comme ça on criminel a courir dans son ambassade et la police gen doit le prendre dans l'ambassade là ça c'est parce que et sont criminels liés si son moun pour comment dit différence opinion politique là ça que pour qui ça le fait comme ça tout c'est parce que l'état inexistant les ambassadeurs haïtiens ils n'ont terrain conquis ils fait ça les gens veulent ils dit ça veulent tout même pas que parole opinion que ambassadeur a pu mettre en Haïti pour penser ambassadeur haïtien qui doit camper connier aux États-Unis pour l'albayon opinion sous candidat Trump qui te dit haïtien manger dans niveau domestique même ça il est capable seulement pour ranger bouche pour défendre compatriotes haïtiens ou même pas capable de permettre là le candidat contre nous aux États-Unis non parce que limite convention bail ça ambassadeur qu'a fait ça le dit et quel que soit conseil pays représenté ou ta côté déclaration Evans Paul gain ambassade américaine qui dénonce une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux concernant une éventuelle rencontre entre ambassadeur Denis Hankins et puis chef gang Jimmy Chérizi alias Barbecue ambassadeur Hankins pas jamais rencontré Jimmy Chérizi ni aucun autre membre gang haïtien d'après ambassade là dans un message sous compte X li ambassade là mais réaffirmé États-Unis a condamné à toute force li violence en gang yo ben qui visait déstabiliser gouvernement haïtien et puis empêcher avenir la paix et sécurité peuple haïtien dénonciation ministère justice un possible complot qui visait assassiner premier ministre Garry Conille à quelques ministres en bien paraît montrer voulait sembler à une manipulation dans opinion publique là en bien dans l'idée pour persécuter quelques acteurs d'après Evans Paul coordonnateur centre vive ensemble estimé que gouvernement bien gagné tout bon vrai et renseignement en bien qui est capable montrer et agit dans l'idée pour capable empêcher tout complot qui t'a visé et assassiné yon autorité dans l'état Evans Paul gouvernement sud de Salabia qui a arrêté monde qui concerné c'est-à-dire que CAPC fait perception moi j'ai pris un recul mais dit perception son manipulation de l'opinion perception son manipulation de l'opinion c'est peut-être intention yo gagner pour persécuter quelque monde il y a cherché une justification j'aime te connoue dans l'autre régime passé yo couri bridi et un complot et puis c'est puis on vient arrêter monde parfois c'est quand même et ou pas senti vraiment qu'il y a des éléments convaincants de complot et puis maintenant l'état pas agi comme ça qu'il y a un complot mais on pas senti parce que si il y a un complot c'est plus approfondi enquête là et puis on arrêter monde qui est dans complot et pas inventer pour inventer ça ou faire pour venir avec des éléments de preuve mais maintenant plus senti que c'est pour l'opinion et c'est perception on dit perception pas information pas capable m'pas qu'à dire c'est ça lié mais moi-même qui vis dans pays là qui compte victime de bailleur déjà moi suspecte son manipulation de l'opinion liée bien sûr quel que soit monde qui dans politique premier ministre qui a toujours en danger c'est là que le grand pile monde qui pour protéger mais là dit qu'on complot a fait pour retirer la ville c'est extrêmement grave surtout après expérience nous sommes vivre bon président il a assassiné ce pouvoir et surtout là on dit pratiquement on dans qui secteur social et ben l'ordre du coup que secteur social on beaucoup nous retirer problème dans le secteur mettre le sous parce que si me compte qui côté bagaille là et que me résoudre parce que si en tant que gouvernement moi là pour me bailler pays à sécurité faut me penser pas être en sécurité la charité bien ordonnée commence par soi même c'est normal faut autoritaire en sécurité ou après non avion leur monter avec un petit monde un monde qui dépend de où et tout mettez masque oxygène par là en vain si mon problème on va occuper de l'autre monde là le fort premier ministre va être en sécurité il a fait ballon paquet mon va être en sécurité s'il connait raison qui fait la ville en danger et bien faut l'agir
c'est pas plein pour même j'ai à tout le monde. Même d'après interview à ministre de justice la semaine dernière là, et il prend exemple Jovenel Moïse, ou son jeu coup d'état et Tibois. Tout le oui. monde a dit ah, ça c'est manipulation, ça c'est de grand monde, regardez, côté monde ça, quand on fait coup d'état. Après coup, nous venons connaître, et qu'on va qui t'a mariné là véritablement, notamment le monde qui était à le révéler là à Jovenel Moïse, enquête qu'a fait. Et il dit nous, il était en plein là-dedans. Et mini justice a dit que le monde capable d'accord avec elle. Si Jovenel Moïse, il a battu, je dis à quel monde qui t'a capable de dire c'est manipulation que tu as fait tout. Oui, c'est faiblesse société, faiblesse l'État, absence de confiance pour nous suspecter tout le monde. Même l'autre dit, même l'autre monde bonjour, il va finir sucer l'autre. Parce que, ou pas qu'on ouais, souvent ça arrive, il y a un monde qui dit bonjour, ou pour garder à gauche, ou garder à droite, ou si c'est aujourd'hui. Ouais, si c'est pour l'action, c'est pour lui dire bonjour. Avant, on répond. Mm-hmm. Bonjour, regarde à droite, regarde à gauche. À qui est-ce que ça parle? Parce que des fois, même bonjour, on suspecte. Mm-hmm. Alors, c'est dans la réalité, ça, nous. C'est une crise de confiance, là, oui. Tout le monde suspecte tout le monde. Et c'est ça qui fait difficile pour un service d'intelligence qui est performant. Si, depuis le service d'intelligence, là, dit un bagage, tout le monde va le suspecter, son manipulation, c'est barré, la communauté. Et c'est ça. Même si nouvelle la fondée, il y a des fois même gens ont porté nouvelle là devant scène. Parce que l'on dit ou qu'on qui moun, sous qu'on qui moun, ou qu'on qui secteur sorti au nom de la loi pour agir. Surtout là où il y a une référence à ce qui est passé, président Jovenel Moïse. Côté déclaration, ancien premier ministre Evans Paul, le collectif 4 décembre avec l'autre organisation de la société civile a lancé un autre appel pour gagner un redressement pressé de pays de façon abjurée, pays a pendant les accusés, membres pouvoir exécutif là qui plonge pays a dans plus crise pour éviter effondrement total pays a collectif 4 décembre réclamé départ conseil présidentiel de transition et puis premier ministre Garry Conille, président Doué a joint la Cour cassation qui va choisir un nouveau premier ministre et puis cap et gagner et mon parti politique ensemble avec entre des précisions coordonnateur général collectif 4 décembre Jean-Robert Ragan avec aujourd'hui Jean-Michel. Nous faisons un état des lieux au niveau de notre là, de constater que son déchéance évidente et catastrophique que nous voyons et que constatable alarmant et lui demander un appel urgent à un redressement. Notre aussi nous dit mais pour quelle raison d'abord nous montrer que le conseil présidentiel Jean-Lial Ajodian, vu Jean-Comportella, devine dénué de toute crédibilité en raison de différents scandales de corruption et en plus des accusations choquantes du secteur de presse contre d'autres membres de ce conseil. Automatiquement, depuis crédibilité morale érodée, nous dit que le conseil présidentiel a disqualifié d'office. Il y a une guerre ouverte entre le conseil présidentiel là, avec Mathieu, notamment avec le premier ministre, pour faire du remaniement ministériel. Nous pensons que, au lieu que la guerre ouverte, au lieu que de mettre ensemble son bagage à marcher, que la guerre ouverte est simplement nocive, l'annihilant et l'enclenchant au processus de gouvernabilité du pays. Ça, c'est comme ça que nous faisons. Ensuite, pour qu'il y ait une division qu'il y a qui au sein de deux équipes dirigeantes à eux, c'est le conseil présidentiel là et primature là, diligence a provoqué une polarisation dans la population, polarisation qui est fatale pour nous. Des bagailles qui ont fait ou visite pour les ministres ou l'autre visite du conseil présidentiel là, voyez des signaux qui ont déboussolé les populations hein, et qui s'albaillent, qui cultivent méfiance dans toute institution, qui exposent vie de citoyens et mettent toute nation en danger parce que l'ordre de FSA, ah ouais, les forces de sécurité pays de façon indépendante et une par contre ça, l'autre a dit, vous mettez premièrement responsable forces de sécurité en mauvaise position parce que voilà deux chefs, l'une a mis le maral, l'autre a mis peut-être l'autre. Donc vous créez un flou au niveau de forces de sécurité. Ça. La répercussion, c'est que la population paye pour les conséquences puisque vous hésitation à gagner. Donc, mettre le cabinet et donc le gouvernement qui va faire devenir urgent, indispensable, inéluctable que, un, que ce conseil présidentiel-là, en entier, toutes les mounions, le écarté, mais ceci de l'immédiat. Ça n'a pas besoin de faire aucune casse, crasse et brisée, c'est évidemment.